Salut, mon grand. C'est papa. C'est papa. Joyeux anniversaire. Tu passes à bon... Oui, hein. C'est vrai? Mais c'est génial, ça. C'est maman qui t'a laissé choisir? C'est bien, mon grand. Oui, dis à maman que... Non, non, non. Désolé, non. Je peux pas rentrer tout de suite. Papa a encore du travail. Ok, mon grand? Oui. Je t'aime. Ok, messieurs. On a du boulot. Eh bien, salut tout le monde, c'est Bleach, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de notre série sur Ghost Recon Future Soldier, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi pour ma part ça va plutôt nickel, alors aujourd'hui donc on est dans la mission Invisible Bear, donc là on avait une petite cinématique où Ghost Leader, donc le mec noir, le gros black de base, a appelé son fils, voilà, c'est son anniversaire, bon, on va pas blablater. Donc dans cette mission, bon, j'ai déjà fait, après il ne restera plus qu'un seul épisode, deux je crois bien, après on aura terminé. Donc voilà, appuyer la résistance qui tente de prendre Moscou, donc en gros, c'est le président de la truc, enfin c'est un petit peu le bordel, hein. je vais pas vous le cacher. Donc on va partir avec ces armes là, c'est ce que j'avais pris. Ouais c'est ça, ah, peut-être. Si, viseur holographique, c'est ça. Donc, en gros, c'est le président déchu qui veut reprendre sa place. Enfin, c'est un bordel, je vous laisse même pas dire. Donc, on va juste changer IUM, on va mettre frag. Ouais, c'est bon, frag, c'est bien. Et on va partir comme ça, parce que de toute façon, ce sera toujours mieux. Allez, on est parti. Voilà, bon. On va essayer de faire ça correctement parce que moi je vous dis le départ est un petit peu compliqué. Par contre je viens de penser à quelque chose. C'est une mission d'infiltration en gros ce qu'on a à faire et je n'ai pas pris d'arme en silencieux. Je crois que l'arme que j'ai sur moi c'est celle que j'aurais dû prendre après. Bon c'est pas grave. Donc là on doit avoir le Vector. Alors on va voir un peu. Donc ouais c'est ça. Vector. Donc il y a les chars qui passent. On va passer juste après eux. Donc bonjour messieurs, non, parce qu'il y a lui, donc on va attendre qu'il tourne. Ce serait quand même mieux, hein, du moins. Alors. On va éviter de se faire niquer. Non, c'est pas ça. Par contre, excusez-moi, mais j'ai vraiment un tout petit peu tout oublié des touches, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé de Ghost Recon, enfin la dernière vidéo que j'ai filmé, c'est la Spec Ops. Épisode 7, et ça faisait un certain moment que j'avais plus filmé de vidéo non plus. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment. Là j'ai 2 heures. Après, je vais voir le film au cinéma Spider-Man, là, The Amazing Spider-Man, normalement, à 16h30. Ça va être sympa, je pense. J'ai d'ailleurs vu. C'était quand? Il y a quelques jours. Quelques jours, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai vu Batman. Franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, je le conseille à tous, bien sûr. Mais, enfin, à tous les âges, même d'ailleurs. À ceux qui l'ont pas vu en particulier, papa, parce que c'est toujours mieux. Mais franchement, il est bien, bien, bien sympa. Donc, on va faire ça. On va faire monter le truc et on va avancer un peu. Moi, je dois prendre celui-là. Et on est parti. On va éviter de se faire pécho, hein. On peut dire ça comme ça, on va éviter de se faire pécho, on va aller là-bas infiltrer. Donc là, au départ, moi, c'est un endroit que j'avais galéré, mais en fait, tout simplement, il faut prendre sur la droite, et il faut donc tuer les deux mecs qui montent et tuer les mecs qui sont sur les mitrailleuses fixes, et voilà, c'est tout. Vous ne vous occupez pas des mecs qui sont en bas et du char. Enfin, vous pouvez toujours tuer les mecs en bas et vous infiltrer après dans les chars, mais sans que le char voie, mais... Vous n'êtes pas obligé. Moi je l'ai fait la dernière fois sans. Peut-être que là je suis obligé, j'en sais trop rien. Normalement non. Alors après, peut-être que après cette vidéo je vous filmerai du Max Payne. Et putain, la dernière mission de Max Payne est assez longue. Je verrai. De toute façon, il ne me reste plus qu'une mission.
sur Max Payne, alors peut-être que je vous la filmerai. De toute façon, il faut que je la filme, même si ça plaît pas spécialement. Mais franchement, j'ai remarqué que Max Payne ne plaisait pas. J'ai fait filmer 13 épisodes, je filmerai le 14e. Ça, enfin, voilà, c'est normal. Mais là, je parle que pour les gens qui sont sur YouTube, parce que ceux qui sont sur Gear Network, que j'invite d'ailleurs à rejoindre sur YouTube, donc s'ils veulent venir, je leur ouvre les bras. Donc là, il y a beaucoup d'étages à monter, mais là, on va pas tous les monter, ne vous inquiétez pas. Oui, donc là, je parlais que pour mon public de YouTube, parce que la série n'est pas upload sur Gear Network. D'ailleurs, là, j'avais commencé une nouvelle série sur Prototype 2. Et oui, il faut juste... Enfin, je viens de la voir. Je l'avais en anglais. J'ai réussi à trouver un patch en français. Donc, voilà. Alors, il faut que j'y arrive. Il faut que j'arrive à avoir le temps. J'aimerais bien terminer mes séries avant de le commencer. Donc, il va peut-être falloir que je filme ce qu'il faut. Donc, je vais filmer Max Payne et tout ça. Par contre, la dernière fois, j'avais monté que quelques étages. Pas tout ça. Ah oui, mais j'avais monté ça en courant, on va essayer de monter ça en courant. Voilà. Donc oui, j'aimerais bien finir Max Payne. Donc là, j'ai fini les Let's Play Speedrun. Il me reste Max Payne et Ghost Recon. Donc dès que j'aurai fini ces deux séries là, vous aurez le droit à Prototype. Alors je sais pas si je le mettrai sur Gear Network. À vous, public de Gear Network, de me dire si vous voulez, oui ou non, que je mette Prototype 2, le walkthrough, le playthrough, le Let's Play, comme vous voulez. Je sais pas, je crois qu'il y en a déjà un. Je peux toujours le mettre. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a un qui a commencé. Donc, c'est Mac Fury. Je sais pas si vous le connaissez. Oui, maintenant il devient connu sur Gear Network. Il a commencé un let's play sur. Enfin, commencé il y a quelques temps. Depuis début juillet, un let's play sur ce jeu. Bon, moi je l'ai déjà terminé. Donc, bon, faites ce que vous voulez. Hein. Je vous incite pas à aller le voir ou à aller le voir lui. Mais voilà. C'est tout, je vous l'ai dit. C'est ça, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Donc j'ai un sniper. On va récupérer nos trucs qui nous servent pas. Et on va aller se mettre ramasser l'arme. Et en même temps, je viens de faire quoi là? Ah, merci. C'est mieux. Alors, là je crois, sur Gear Network, hein, je parle à Gear Network parce que j'aime bien. Non, je parle des deux, mais... On arrive à 50 abonnés, donc je vous remercie. Même si je l'ai déjà fait dans l'épisode 7 de comment ça s'appelle, de Spec Ops. Comme vous regardez pas tous, ma série majeure, c'est quand même celle-ci. Donc je vous remercie à tous, vraiment beaucoup. Donc on va tuer lui. Alors ce que je fais, j'avais fait ça la dernière fois. Je préfère, voilà, lancer ça. Voilà, il est là. Vous l'avez vu, tous comme moi. Merde. Alors, d'où je me suis fait tirer? Ah oui, là. On essaye de le tuer? On va essayer de le tuer en noscope. Alors, vas-y, sors ta tête. Pas réussi. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Oh là 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 là, juste magnifique. Alors là, il y en a un là. Alors lui, il est mort. Ensuite. Merde. Voilà, on va recharger. On va attendre, puisqu'il y en a un mec qui va arriver par là. Voilà. Oups. Tac, tac. Et donc, il doit en avoir encore un là-haut. Là, il est là. Non, mais putain, des fois ce sniper. Et là, j'ai pas tiré dedans. Ah, merci. Des fois j'ai un petit peu l'impression que ça marche pas trop bien. Donc là, je crois qu'il va avoir l'hélico qui va arriver et qui va nous faire bien chier. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai mis un oscope au tireur. Pourquoi son corps est encore rouge? Je ne sais pas trop. Alors d'où on se prend les balles là? Bon, je sais pas. Qu'on a été peut-être un petit peu plus rapide que ce qu'on devait être normalement au départ autorisé à faire. Ok. Où y a-t-il du... En fait là je vois personne, donc ça me semble un peu bizarre. Alors ici, là.
Ils servent à rien en fait, ce sniper, il sert même pas. Alors on va regarder avec le viseur. Ah, il est juste là, d'accord. Là, on aurait pu faire un... On essaye de faire un trickshot là, 360 à 2 à l'heure et on vise et on fait un noscope. Même à faire un noscope comme ça si vous voulez. Non, on va éviter de perdre du temps, de toute façon on en a un peu, même si on en a quand même relativement beaucoup. Alors, où est-il? Mister, sors de ta place, dépêche-toi. Eh mais merde, je le vois pas. Ah oui, là je l'ai vu. Ah oui, il est là, d'accord. Bon, lui, il est mort, voilà. Finito. On va récupérer mon arme, hein. Je vais récupérer ma TAR 21 qui va me servir un peu plus après. Vous savez qu'au départ là ça va pas trop me servir. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte d'être demain. Ah là là, je vais recevoir mon nouveau tapis de souris, une manette d'Xbox, ça va être sympa. Ça va franchement être très 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 sympa. Je sais pas si je pourrais jouer à tous les jeux avec ma manette, mais ça va être sympa. C'est l'histoire même de la Russie qui s'écrit sous nos yeux. J'apprends à l'instant que Volodin, le président déchu, s'est mêlé au cortège. Le président Volodin en personne s'est joint à la procession. Incroyable. Des partisans se sont réunis autour de lui pour faire rempart de leur corps, comme des sortes de boucliers humains, et pour lui témoigner leur entière dévotion. Ils semblent décidés à le protéger à tout prix, bien qu'un tel dispositif paraisse pour l'instant superflu. Bon, voilà, en gros, voilà, on avait... Hein. Ah là là, t'as vu, on devait protéger le président, donc je crois que c'est le président déchu, entre parenthèses. On va dire ça comme ça, donc oui, président déchu, c'est lui qui il a perdu sa place, quoi. Et là, ça va être beaucoup de bâtiments. D'ailleurs, cette séquence va être speed et hargneuse. Enfin, voilà, vigoureuse, enfin, ce que vous voulez. D'ailleurs, j'espère avoir beaucoup de capteurs. Je ne sais plus trop comment on lance les capteurs. Alors, ce que je vais vous allez voir, alors F pour lancer le capteur, en fait c'est les Spetsnaz là qui ont leur camouflage indétectable, comme nous. Ah mais on va peut-être changer d'arme. Alors là on va pouvoir utiliser des armes de fou. Non, elles sont pas tant de fou que ça, mais c'est un peu mieux quand même, regardez lui. Non, on n'a pas réussi à le tuer. Donc eux on peut pas les tuer, ce qu'on peut faire par contre. On peut faire ça. Bon, ça a pas servi en soi, certes. Alors, on va enlever le capteur. Voilà. Toi, t'es mort. Bon, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Le problème, c'est qu'avec ces camouflages, on peut être vachement surpris quand même. On peut être surpris par certains qui. Pas tellement bien comme il faut. Enfin, ils bougent différemment, ils bougent bizarrement des fois les mecs. Regardez, hop, on en a deux là. Merde. Eh, venez m'aider s'il vous plaît. Ouais, merci quand même. Ah bon, je sais pas comment ils arrivent à savoir que je suis mort en soi. C'est marqué où? C'est marqué sur leur lunette. Ton pote est blessé, va le sauver. Dépêche-toi, bouge ton cul, il va se faire tuer. Ouais. Bon, moyen. Alors, là il y en a combien? Oula. C'est une des séquences où il y a le plus de. Je crois que c'est l'une des séquences du jeu avec peut-être la fin de la mission du jeu. Je n'ai pas encore terminé. J'ai presque fini. Il reste bon, la mission d'après, mais j'avais déjà commencé. J'avais. Oulala. Enfin, il y a genre quoi? Il y a 14. Il y a combien? 7 mecs à tuer à la fin. Donc, les dealers, un petit batteur, je sais pas quoi. Enfin. Vous comprendrez dans la cinématique, ne vous inquiétez pas. Moi je sais, mais je vais pas vous expliquer sinon c'est pas rigolo. Ouais merde. Et j'en avais tué 3 je crois, 4, 3, 4, ouais, un truc comme ça. Bon, ça commence à m'énerver tout ça. Alors on va faire. Boum. Voilà. 2 en moins. Ça c'est déjà bon. Les sorts, sort mon copain, sort. Voilà. Ça, c'est fait. Déjà. Faut qu'on aille à l'autre bout de la pièce. Et va le bordel pour sortir de là. Soit toi t'es mort. C'est bueno comme ça. Donc on va pouvoir lancer nos capteurs. Non, y'a personne.
Alors je crois qu'ici on va pouvoir faire ça. Alors là il y a des mecs qui vont sortir, un mec qui va sortir là, voilà, bon, vous savez. Alors ce qu'on va pouvoir faire, ce qui est bien dans cet endroit, c'est qu'il y a le truc pour ravitailler. Donc on va lancer tous nos capteurs, on va ravitailler nos capteurs. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de 50 000 personnes, mais quand même, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, avec les scripts et tout. On va recharger nos capteurs. Alors si on recharge nos capteurs, on va pouvoir les relancer. Bon, c'est le seul truc un peu chiant, voilà, c'est que des fois il faut tirer, faut essayer de se débrouiller pour pour passer quoi, voilà. Personne. Ce que j'aurais pu faire par contre. C'est ça. C'est ça, lancer des grenades frag. Non, toi t'es mort. Et voilà, ça c'est fait. Déjà, ça c'est pas plus mal. On va déjà récupérer quelques balles. Pas beaucoup, mais ce sera déjà ça. Donc une grenade en plus. Ouais, c'est pas mal. On va avancer tranquillou vers notre point, se regrouper. Ah là là. Bon, normalement, vous avez vu sur la chaîne qu'il y a une série sur Minecraft. Je viens de mettre une annonce de la nouvelle série qui devrait sortir très très prochainement. Faut juste que j'arrive à choisir quel jeu prendre, parce que j'en ai un choix énorme et il me faut donc ma manette de Xbox que je vais avoir. Enfin, c'est ma manette Xbox, c'est une Razer 11A Tournament Edition. Vous allez voir sur internet, je l'ai payé 40€. Ça va, c'est sympathique. Dès que j'aurai cette manette, je pourrai vous faire d'autres jeux. J'ai testé le jeu Londres 2012 aussi. Je sais pas si vous le connaissez. Sympa, sans plus. On va dire ça comme ça. Avec une manette, je pense que ça peut être plus sympa, genre pour la gymnastique et le tennis de table ou des trucs comme ça, c'est sympa. Bon, par contre, pour par exemple le cyclisme, des trucs comme ça, c'est assez simple avec le clavier. Mais sinon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais bon, enfin, en soi, en gros, c'est pas trop grave. Alors, qu'est-ce qu'il raconte lui? Je sais pas trop, j'ai pas lu. Bon, en gros, il fait un espèce de discours. C'est lui en fait, hein, qu'on doit escorter. En gros, il raconte sa vie, hein, on va dire ça comme ça. On va peut-être pas dire qu'il raconte sa vie parce que ça fait un peu ouais bon tu sais, tu sers à rien, tu racontes ta vie. Ce qu'on va faire, c'est ça par contre. Alors ici ça va être un petit peu corset. Il y a plein de monde. Regardez, je vais un peu regarder. Regardez, il y en a 3 ici, 4 là. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner les mecs mitrailleuses. Donc il y en a un qui est normalement là. Et on va après attaquer, parce que de toute façon ça sert à rien de faire à la discret. Voilà. Et on va pouvoir donc en mettre quelques-uns hors de vue pendant le temps qu'ils arrivent à réaliser qu'ils sont en train de se faire tirer dessus. Allez. Bon, ils réagissent vite, mais ouais, ils ont un petit temps de latence. Merde, je suis... Bordel. Alors ce qu'on peut faire, ça va être ça. Ça va peut-être pas trop servi en soi, mais c'est pas grave. Alors toi t'es mort. Toi on va s'allonger. T'es mort. Comme ça on l'a fait à... On s'en fout, hein, on se baisse. Hop, on l'a fait à la Chuck Norris. Merde, perdu du signal. Bordel. Je vais tirer comme lui, regardez. Oh ouais, ok. Il est mort tout seul lui. Il a fait Ah mais il me tirait sur mon drone. Oh le salaud. Oh le salaud. Faites gaffe, hein, je vais devenir hargneux si on me nique mon drone. Bon, là par contre je vais perdre. Ah parce que si je meurs encore une fois. Si je meurs encore une seule fois, bah qu'une seule fois, hein. C'est pas énorme. Ok, alors là par contre, j'aimerais bien savoir d'où je me fais tirer. Si je meurs qu'une fois, bah j'ai fini, j'ai perdu. I'm lose it. Lose.
Ciao, bisous, tchuss, à bientôt. Non, franchement, j'ai perdu, alors ce serait cool quand même. Ah, y'a un sniper, ah, d'accord, faut que je me fais tuer, je comprends mieux. Allez, meurs, meurs, meurs. Ah, toi, t'es mort, toi. Tu vas pas tarder. Oula. Oula là 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 là. Ça, c'est fait. Oh le bâtard! Eh, vous avez vu? Et là, j'ai même pas le temps de bouger, ça a pété, ça me fait chier ça. Bon, tant pis. Alors, 30 secondes. Alors, oui. Je vais répondre oui. Bon, on reprend là, c'est pas grave, on va essayer de faire mieux. Bon là, on aura quand même 3 vies. Bon, désolé pour le temps, ça va, c'est sûr que ça vous fait prendre plus de temps. Mais c'est pas grave en soi, enfin si vous aimez rester avec moi, ça fait un peu plus jouissif. Moi je trouve ça pas trop mal non plus, donc bon faites ce que vous voulez, hein. Je vous demande pas de regarder si vous aimez pas, ça sert à rien. Mais si ça vous fait plaisir, ma foi. Ça peut être que bien. Qu'est-ce que vous en pensez? On va tuer lui. Non, la voiture, on en a rien à foutre. Ah! Eh! Est-ce qu'on essaye de faire ça? Et moi, je tue lui. Oh, si on arrive à faire... S'il arrive à faire péter la voiture... Alors, s'il fait péter la voiture et qu'elle explose... Mon cul, elle explose, ouais. Oh, merde. Je suis déjà mort! Aidez-moi! Ouais, bon, on a peut-être tué des gens avec l'explosion de voiture. Je suis pas convaincu. Peut-être. Vous savez peut-être que c'est chiant. Cette vue pour vous, c'est chiant. Alors, j'en sais trop rien. Vous me dites, hein, pour le dernier épisode, si vous voulez, je la mets pas. Hein, je suis pas obligé. C'est vrai que c'est quand même vachement plus simple. Mais c'est vrai que vous voyez ni les couleurs du jeu, ni les environnements dans lesquels on joue. Donc on joue, pardon, dans ces environnements-là. Bon, c'est pas trop palpitant, mais c'est pas grave. Eh merde. Oh là 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 là. Ça commence à m'énerver. Je commence à faire du gros caca et je vais pas recommencer 40 fois. De toute façon, ça va m'énerver si je commence plein de fois. Donc on a sécurisé un point. Déjà ça. Faut qu'on arrive à bien se camo. Hop, on va se mettre derrière la poubelle. Mamie. Hop. Le problème dans ce jeu, c'est que dès qu'ils nous ont spotted, on se fait tuer. Ah là 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 là. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Si je meurs encore une fois, je vous ferai un petit saut de cette séquence. Vous l'avez vu, de toute façon, il n'y a rien de palpitant ensuite. Donc, on va essayer de faire ça correctement. On va se concentrer. Vraiment se concentrer, du moins. Alors, on va essayer. Est-ce qu'on pourrait, vous pensez... Est-ce que vous pensez qu'on peut, du moins... passer sur le côté sans se faire repérer. Ça me semble un tout petit peu pas possible. Non, c'est un tout petit peu pas possible. Alors à moins, attendez, on va pas dire que c'est pas possible, on va dire à moins que on attende qu'ils fassent de certains mouvements, qu'on calcule leurs mouvements, peut-être que ça serait plus facile de passer par là-bas. Le problème c'est que lui, si on le tue, il va avoir cadavre découvert. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça, regardez. On va arriver tranquillement. Ah ouais, non. Merde. Merde. Oh le con. Oh le con. Oh là 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 là. J'ai pas remarqué que j'avais pas mon arme silencieuse. Cette arme là.
On va lancer une grenade là et une grenade là. Et merde. Bon, c'est pas grave, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, hop. Putain. Mais ceci ne nous regarde pas. Non, c'est ça. Ceci ne nous regarde pas, hein. Bien sûr, nous sommes en guerre, mais ceci ne nous regarde pas. Voilà, on va essayer de les tuer quand même, hein, parce qu'on est quand même là pour ça. Alors, on va y arriver, mais faut pas trop que je parle, enfin... Sans vous dire qu'il faut pas que je parle non plus du tout, mais il faut que je parle, mais en me concentrant du moins. Parce que c'est quand même chiant d'avoir des séquences répétées 4, 5 fois, enfin voilà, vous m'avez compris. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, vous avez vu que là je ne suis toujours pas mort. Enfin, alors que je ne me rappelle pas être mort. Du moins, c'est déjà ça. Alors, on va le tuer lui, on va le tuer. Voilà, c'est quand même mieux. Alors là, je vais avoir quelqu'un. De toute façon, je me suis fait... Oula, pardon. Je l'avais pas vu. Ouf, merci. You save my life. Allez, une flash, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours plaisir. Alors là, c'est qui? C'est un méchant? C'est un gentil? Je ne sais pas. Alors, là-bas, il y a des mecs. On va essayer de se les tuer. Alors, lui, il est mort. Là, il y en a un. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça, c'est fait. Regardez la frag, on va la lancer par là. Et on va lancer... non, pas le drone. Ça va servir à rien, mais c'est pas grave. On va lancer un capteur par là. Au moins, on est un petit peu safe. On a un petit peu de position sécurisée. On va avancer, par contre, et on va se mettre... Je sais pas trop où me mettre, en fait. Par contre, c'est bien ici pour tuer lui, parce que je me rappelle avoir galéré, quand même. Merde, mais putain, mais par qui je me suis fait tuer? Par là-bas, quoi, sérieusement. Putain, ça commence à me saouler, hein. De mourir comme ça, c'est chiant. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir ce qu'on va leur mettre. On va leur faire mal aux fesses. Mais non, putain, pas le drone. Le capteur, s'il te plaît, merci. Il y en a encore quand même pas mal, hein. Alors, 3 de moins. Par contre, cette arme, c'est vraiment du cacamou. Ah là 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 là, on va y arriver. Donc là, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc il y a un mec. Là, voilà, on va passer au milieu de la rue. On se passe poté de toute façon, donc on s'en fout. Allez papy, on se bouge le cul. Ou les fesses, parce que c'est quand même mieux les fesses que le cul. En fait, c'est une voiture qui tire toute seule. Hop là, headshot. Oh putain. Putain, je me fais tuer par derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bordel. Allez, toi, va te faire le carayo, hein. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme arme, lui? Saiga 12. Ça s'appelle un fusil à pompe, en fait. D'accord. C'est un fusil à pompe de sniper. C'est un fusil. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est un fusil d'assaut à pompe, en fait. En gros, c'est ça. Vas-y, sors.
Oh, PD. Allez, 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 y'a plus de balles, bordel. Ah, mais si, c'est ça que je peux faire. Oh là là, mais quelle débilité j'incarne. Putain, c'est pas possible. D'accord, donc dès que ça sert plus à rien, je le fais, ça c'est toujours trop bien. Ah, donc ils ont détruit le... Oui, donc ça sert plus à rien. Hop, 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 boum. D'accord, alors lui, il est trop fort, c'est un mode de survival, c'est un PGM, il a mis tout, donc toi tu vas mourir. On dirait des... Franchement, cette arme, elle est pourrie. Franchement, elle est pourrie, hein. Je veux pas dire, ouais, non, mais non, non, c'est pourri. Alors on va changer... Non, non ça, c'est pas une idée. Alors on va prendre la N94 et... Non, ça a bugué. D'accord, alors je me suis fait sniper de là-haut, ça fait toujours plaisir. Merci. On va le niquer. On va pas se faire chier. De toute façon, ça sert à rien. On va pas prendre d'armes silencieuses. On en a plus besoin. Si je ne m'abuse, on en a plus besoin. Alors on doit aller là. D'accord, on va aller là. Alors la mission, est-ce qu'elle est bientôt finie? Oui, peut-être. Par contre... Non, je vais aller récupérer des munitions, s'il te plaît. Ah, merde. C'est pas la bonne, c'est pas le bon truc que j'ai. Là, c'est mieux. Donc, cette arme est quand même sympa. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Oh oui, oh mais oui, ce fameux endroit. Mais c'est trop bien. J'adore. Elle est pour... Ça, c'est pourri, par contre, cet endroit. Il y a les mecs. Donc il y en a, il en faut 4 ou 5 je crois, si je ne m'abuse. Boum. Et encore un. Hein. Voilà. Je crois que normalement. Bon il en faut peut-être encore un. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est fait. Enfin c'est fait. C'est fait sans être fait du moins. Alors qu'est-ce qu'on a là? Super, on a une AK-47. Autant garder la N94. On va récupérer des munitions. S'il te plaît. Allez, ravitaille-toi. Merci, ça fait toujours plaisir. Se regrouper à 40 mètres. On va se regrouper à 40 mètres. Alors ce qui me fait délirer, c'est toujours la physique du jeu. Regardez. On peut faire des choses avec les chaises bizarres. Ah! Fusil d'assaut. Mitrailleuse. On va prendre. Non, l'ACR, j'en ai rien à foutre de ça. Oh, mais. Allez, mais crève. Voilà, ça c'est mieux. Et la TAR 21, non, la AK-64, la L-74, on va mettre un ACR. Silencieux en plus, waouh. Attention, hein. Attention, hein, c'est du silencieux, faut pas faire, faut faire gaffe hein, quand même. Hein. C'est du bon matos. On va utiliser la tourelle. Ah. Très très fort. Alors on va attendre que ça refroidisse ou que ça déchauffe comme vous le sentez. Refroidis. Puis il leur faut leur mettre deux balles de ce truc là, on dirait du calibre 50 s'il te plaît, du machin. Bon, en retraite, ouais, d'accord. Bien oui, je vais battre en retraite. Par contre, l'IA n'est juste pas intelligente. On est à Moscou, du coup. Mais en même temps, oui, c'est pas faux. Alors, on va attendre.
J'y vois plus rien. Alors, on va tirer comme ça. Donc, on va tirer d'abord sur lui. Meurs. Meurs, petit patapon. Allez, putain, mais recharge, bouge ton Luc. Si tu veux bien. Et boum. Alors, qui c'est qu'il y a encore? Qui y a-t-il? C'est quoi ces trucs? Voilà, ça c'est mieux quand même. Allez, reprends-toi. On va y arriver, on va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est un peu chiant, mais on va y arriver quand même. Si je recharge à chaque fois, ne m'en voulez pas, hein, bien sûr. Je fais toujours ça. L'habitude de Kellof. Faut tu meurs, toi tu meurs aussi. Il reste encore toute la séquence en maison, en bâtiment. Et après, ça sera bon. Alors, où est-ce qu'il y a des gens? Allez, 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 allez. Oh putain, merde, j'avais oublié, j'avais forgot. Alors, dépêche-toi de te mettre derrière quelque chose. Non, pas derrière ça, du moins. Allez, hop, mets-toi là derrière. Et on est reparti. Allez, et de 1. Et de 2. Là, on va faire. On va compter jusqu'à 6. Et de 3. Et de ouh là 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 là. On peut courir et on peut le détruire, c'est ça. Nickel, 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 on va juste recharger nos grenades parce que vous allez voir que ça va nous servir. Et d'ailleurs, il y a un petit moment qui va être bien sympatoche après avec les grenades. Hein. Je vous en dis pas plus. Alors, ravitaille. On ravitaille. Hop, voilà, ça c'est fait. On va aller se regrouper là-bas et il ne restera plus que la séquence en bâtiment et nous en aurons terminé pour aujourd'hui. Allez, cours, cours, cours. Donc cet épisode, je pense, vous l'upload demain. Donc demain, c'est le jour de mon anniversaire, le 31 juillet. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc oui, je vous uploaderai cette vidéo pour ce jour-là. Aujourd'hui, j'en ai déjà upload 2, 3, même 3. Ouais, 3. 3, c'est sympa. Donc là, il y a la détente sur Dead Island, normalement, qui devrait se terminer rapidement. La petite annonce qui sera sur Gear Network. Quand ils voudront bien. À moins qu'il s'agisse d'obus d'artillerie, mais jusqu'ici le cortège a circulé en plein cœur. Et voilà. Et il y a l'épisode 7 de Spec Ops que je vous invite à aller voir. Il en restera encore sur Spec Ops, il en restera encore 2, je pense. Je pense qu'il en restera plus que. Alors si on fait comme on a dit, donc. Deux chapitres par épisode, il devrait en rester 2 parce qu'on a fait 11 chapitres, on est chapitre 12, donc 12, 13, 14, 15. Voilà, il nous reste 2 épisodes, je pense que ça sera bien comme ça. Et sur celui-là, il nous restera un épisode, donc je suis un petit peu à la fin de toutes les séries. Comme ça, c'est bien, on va pouvoir enchaîner sur les autres. Elles auront pas duré trop de temps. Un mois, ça reste quand même raisonnable. Alors, vous allez voir cet endroit, vous allez bien kiffer, vous allez voir. On va faire que ça. On va se camoufler derrière quelque chose et on va tirer. Voilà. On va faire ça notre journée. On va tirer. On va tirer. Voilà, en évitant de tirer sur nos potes. Notre but c'est de tirer. De tirer à peu près bien, du moins. Alors il y a un mec là. On va tirer par là-bas. On en a tué un. On va tirer là-haut.
On en a tué un. C'est pas ça que je voulais faire. On va tirer là-haut. On en a tué un autre. On va tirer just here. On en a tué un. On va tirer hop. Comme ça. Et on a un point de ravitaillement juste là. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. On va tirer jusqu'à qu'il n'y ait personne. Plus personne, du moins. Alors, il y a un gars là. Boum, on va tirer. On va le tuer. En soi, je sais pas du tout où je tire, hein, mais c'est pas grave. J'ai tiré sur quelqu'un, je crois bien. Alors, si on se la gave, on va tirer en plein dedans. Il faut qu'on arrive à tirer juste derrière. En gros, c'est ça. En gros. Sur le plafond, ça marche pas trop quand même. Hein. Ou alors, il faudrait qu'on tire sur le mur. C'est ça. Il fallait qu'on tire sur le mur d'ici. Alors, on va aller récupérer des grenades. On en aura plus trop d'utilité, du moins. On va récupérer quand même pour faire un petit ravitail. On va aller tuer les derniers qui courent là-bas au fond. Je sais pas exactement où. Alors, si on court plus vite qu'eux, on va y arriver. On va trouver. Et juste derrière cette porte, bordel, j'avais fait la même chose la dernière fois. Je m'étais coincé. Il n'y a pas de RAS, donc il reste quand même des gens. Alors, scan. J'en ai pas tué, c'est bien bizarre. Alors, là, on va en tuer deux. On les voit pas tout le temps, hein, quand ça nous tire. Alors, est-ce que si on leur tire dedans... Eh, ça les tue pas quand même, hein. Il en reste un là. Putain, il est pas mort, c'est pas possible. C'est pas possible des gens comme ça, c'est pas possible. Alors, lui, il est mort. Et lui, il va pas tarder. Nickel. Nickel, nickel, et voilà. On va récupérer nos munitions. On va se regrouper ici, on va attendre. Les petits enfants. On aurait pu balancer des frags aussi. Ça aurait pu le faire. On l'a pas fait. Bon, c'est pas trop grave en soi. On les attend. On va aller devant notre... Bah, c'est quoi? C'est un ascenseur. Et on va voir ce qui va se passer. Donc on va monter en haut. Tout simplement. Par une grande échelle. Une belle échelle. Waouh. Une super échelle, ça va être sympa. Hop. Et on va partir. Hop. On va grimper jusqu'en haut. On va écouter ce qu'il nous raconte. Ah là, il râle en gros, non c'est pas vrai, il râle pas, on va peut-être pas dire qu'il râle, ça va faire. Donc maintenant, là je crois qu'il y a personne à tuer, et il nous reste plus que cette scène, et nous avons terminé pour aujourd'hui. Alors on va regarder scan magnétique, ils sont quand même bien armés, ils sont bien protégés, et on doit tuer celui-là là avec sa tête de schtroumpf. Allez, on va aller se faire... un joli truc de mur. Donc ils nous attendent à la porte, certes. Nous, on va les attendre à la porte. On va éviter de faire péter tout le monde. On va se mettre là. Donc on va se mettre sur les murs et on va faire péter les murs en fait. En gros, c'est ça. Donc on place le C4. 1, 2, 3, boum. C'est vrai que le C4 mettant là, lui, il n'a rien, hein, bien sûr. La cible principale, c'est Boukharov. Alors regardez ce qu'on va faire. On va faire ça. Grenade. Et boum. Voilà. On a fini. Il n'y a pas une petite cinématique là normalement?
Oui, c'est ça. On est déjà parti. Exceptionnel. Nous assistons à la chute aussi soudaine que totale d'un gouvernement illégitime. Oui, nous pouvons maintenant vous annoncer avec certitude que des querelles intestines ont éclaté entre les forces putschistes. Ces affrontements se sont apparemment déroulés avant notre arrivée. Doctrine. Il semblerait que Sergueï Makhmudov, le président autoproclamé du régime, ait été appréhendé. Son complice, le général Bukharov, a été retrouvé mort à son QG, sans doute assassiné par ses propres forces de sécurité. Nous essaierons de couvrir les événements aussi longtemps que possible, mais apparemment... Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui, donc 58 sur 100. C'est bien. Non, c'est pas trop bien. C'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura bien plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, les amis. Portez-vous bien et à bientôt, tout le monde.